nectar de Team Banana Tout. Parfait. Mon vaccin anti-rhino-congo-bourgogite est maintenant au point. À quel endroit je vais piquer mes camarades? Aïe, 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 j'ai les ailes en compote. Si seulement je trouvais un endroit tranquille pour pouvoir me reposer. Oh, singe, droit devant. Quel maladroit! En me penchant en avant, je me suis piqué avec ma seringue. Vous arrivez juste à temps, les filles. Le vaccin anti-rhino-congo-bogogique est enfin au point. Et voilà, les filles, c'est terminé. Vous ne risquez plus de contracter la maladie, désormais. Quels sont exactement les symptômes de la rhino-congo-bogogique, Cranky? D'abord, vous tremblotez de la tête jusqu'aux pieds. Puis... votre nez coule sans que vous puissiez l'arrêter. Vous éternuez à vous en casser le dos. Et voilà, la maladie vous emporte aussitôt. Quand vous frissonnez, que vous êtes fébrile, que vous êtes plus froid qu'une glace à la vanille, vous grelottez et prenez son temps en une. Tremblez tellement que vous êtes vert de peur. Le seul remède, c'est le nectar de Team Banana Tout. Une maladie étrange, totalement inconnue. Vous restez au lit avec la mort qui vous guette. Un maquis vous monte droit à la tête. Vous avez une voix de fumeur de cigarette. Si vous aviez avalé une chaussette, votre cerveau va finir par éclater. Avant qu'il soit trop tard, agissez par pitié. Le seul remède, c'est le nectar de Team Banana Tout. On attrape la maladie? Personne ne connaît vraiment la réponse, Candy. Mais on suppose que c'est le toucan tropical qui en est le porteur. Maintenant, je comprends mieux pourquoi c'est important de se faire vacciner. Ouais, et celui qui refuserait serait complètement ma boule. Non, Donkey, je ne veux pas, tu peux pas me forcer. Salut, Candy, salut, Dixie. Salut, les filles. Ciao, les filles. Relax, petit bonhomme, t'as pas à avoir peur, ça se passera très bien. Mais je déteste les piqûres. Cranky va te faire ce vaccin, que ça te plaise ou non. Banana Slam Dunka. Donkey Kong a raison. Arrête de faire ton pleurnichard et penche-toi en avant. Dis donc, Didi, qu'est-ce que tu as la fesse dure? Je sais que le chocolat au lait de noix de coco que tu bois le matin est riche en fer, mais tout de même. Oh. Je ne me suis jamais autant fendu la banane. Cranky est plus bête que... Aïe, non, d'une coquille de noix de coco! Qu'est-ce qui m'a fait ça? Aïe, 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 aïe! Allez, Donkey, à ton tour maintenant! Si seulement je parvenais à me le remettre en mémoire, qu'est-ce que ça peut être frustrant? Quoi donc, votre pustulentielle majesté vérolée? Je m'efforce de me rappeler mon rêve. Oh, j'adore les rêves. J'en ai fait un cette nuit dans lequel Jambon 003 fichait une tarte à l'ignoble Monsieur Frometon. C'était délicieusement bien. Aïe, aïe, regarde où tu penses, crétinolos. C'était un rêve extraordinaire. Les singes étaient vaincus, j'étais victorieux, mais... je n'arrive plus à me souvenir de quelle façon. Alors taisez-vous! J'aimerais me servir de mes ménins. Ah, encore faudrait-il en avoir, matelot? Tiens, mais que vois-je, Polly Roger, le perroquet de Scurvy, le pirate. Tout le monde sait que tu es la plus canaille des volailles, voleuse comme une pie et prête à tuer père et mère pour quelques gâteaux. Serais-tu en train de me faire une offre? Débarrasse le plancher, cervelle de moineau. J'ai besoin de solitude afin de fouiller au plus profond de mes souvenirs s'emmagasiner dans mon immense mémoire.
Cette piqûre fait un mal de chien, je crois pas qu'il existe une douleur aussi violente. Aïe, aïe. J'aurais mieux fait de me taire. Dis donc, petit bonhomme, je vois pas ce qu'il y a de drôle. C'est pas toi, Donkey, qui me fait rire. C'est moi. Ouais, elle est bien bonne. Et pourquoi? Parce que j'ai joué un sacré tour à Cranky. Je pense que c'est à moi qu'il a fait le vaccin. Mais il se met le doigt dans l'œil. Oh. Ça alors? C'est qui l'a reçu? Tu ne devineras jamais. Deux noix de coco. Ah oui, elles sont tombées malades? Bien sûr que non, gros bêta. C'est pas moi qui me suis fait vacciner, ce sont les noix de coco. Bon, laisse tomber, c'est pas grave. Tu ferais mieux d'y aller, sinon tu vas te mettre en retard pour ton grand cours de surf. Qu'est-ce qui t'arrive, petit bonhomme? J'en sais rien. J'ai dû attraper un coup de froid. Ne t'inquiète pas, tu peux me laisser seule. Tu es sûr, ça va aller? Oui. D'accord, à plus. Et hop! Je me sens pas bien du tout. Peut-être que Cranky aura quelque chose contre le rhume. Je vais prendre un raccourci en passant par chez King Cole. Ça ira plus vite. Gauche, droite. Général Clam, vous me recevez? À vous. 10 sur 10, votre bassesse sinistrissime. Revenez immédiatement au quartier général. Mais sire, on est en pleine PRIE, en patrouille de reconnaissance en vue d'une invasion ennemie, ce qui est superflu, puisqu'aucun ennemi ne pourrait envahir cette imprenable forteresse. Le seul qui soit super cruche, c'est toi. Maintenant, ferme ton piège à mouche et rapporte ton QI de moineau au QG illico presto. Je me suis enfin souvenu du moyen de vaincre les singes. Bien, chef, terminé. Nom d'un alligator, qu'est-ce que c'était? C'est Bois, le buisson. Passez une bonne journée. Merci, gentil voisin de la flore à feuilles et à épines. Moi aussi, je te souhaite de passer une agréable journée. Gauche, droite. Vaincre les singes, droite, oh non, je dois avertir de ton quai. Accroche ta ceinture de sauvetage, prépare-toi à partir en voyage le long du rivage. Tu vas faire des ravages. Je suis remonté à bloc, Funky. Petit bonhomme, je croyais que tu allais trouver Cranky pour lui montrer ce rhume. Je voulais d'abord te voir pour t'avertir du... M'avertir de quoi? Dans la jungle, j'ai vu... Des cacahuètes. Candy. Des capucins qui dansaient la salsa. Je ferais mieux de te ramener chez Cranky. Je crois que le petit bonhomme essaie de te faire deviner un truc. Une charade? Ok, je suis hyper fort. Vas-y, Didi. Cher, terre, mer, populaire. Deuxième mot, c'est pas froid. Ou alors, roi, soir, toi, moi. J'ai trouvé, tu veux chanter un air populaire, rien que pour toi et moi. Donkey Kong, tu es dans le faux, j'ai compris tout à coup quand tu chantais ton morceau. C'est sérieux, c'est urgent, car l'île de Congo Bongo risque de disparaître. N'en dis pas plus, pas de panique, on rapplique. Ne te fais pas de soucis, file en vitesse chez Cranky et prends bien soin de toi, d'accord? Nous on se charge du reste.
raconter? Simplement que la plantation produit trop de bananes et qu'il faut en supprimer un peu. Je suis friand de ce genre de catastrophe. Banana Slama! Slam! Ce sera encore pire si par malheur tu en parles à King Karul, alors tais-toi. Clump! Je veux que tu rassembles toutes les troupes de Kritars. À vos ordres, votre méchanceté. Je me rappelle mon rêve. Je sais comment vaincre les singes. Je tiens à dévoiler mon plan d'attaque devant l'armée entière. Je veux l'annoncer avec tout le protocole et toute la solennité qu'il est possible d'imaginer. Par toutes les cornes du diable, qu'est-ce qui se passe, Crouchard? Je crois qu'il a attrapé froid, si... C'est absurde, il était avec toi. Alors comment expliques-tu le fait que tu n'es rien? Mais moi, je tombe jamais malade, Majesté. Je mange pas moins d'une centaine de gousses d'ail par jour. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Il existe une limite insupportable que même la plus canaille des volailles se garderait bien de franchir. Va rassembler les troupes et... Parfois je me dis que tu as une seringue géante rien que pour moi, Cranky. Mais ne dis pas de bêtises, Bluster. Voilà, c'était la dernière injection de Team Banana Too. Maintenant, tout le monde est immunisé contre la rhino-congo-bongogite. Didi, tu ne te sens pas bien? Quoi? Elle parle plus fort, j'entends rien. On a peu de temps à perdre avec tes pitreries, alors tu le craches ce morceau? C'est bizarre, le petit présente tous les symptômes de la rhino-congo-bongogite, mais c'est tout bonnement impossible parce que je lui ai fait une injection de Team Banana tout ce matin. Tu as cru le vacciner, mais tu ne l'as pas fait. Quoi? Mais comment le sais-tu, triple buse? Parle ou je te cloue le bec. Et qu'est-ce que tu me donnes en échange de mes précieuses informations? Voilà ton butin. Maintenant, mets-toi à table. Tu l'as pas vacciné, Didi, mais c'est deux noix de coco. Oh, le vilain petit morveux. Mais pour tomber malade, je pensais qu'il fallait être mordu par le toucan tropical. C'est pas le genre d'oiseau à venir nicher dans un taudis pareil. Si c'est toi qui as mordu, Didi... Ça signifie que notre très très cher petit bonhomme adoré... En train de voler votre hélico. Quoi? Qu'est-ce qui lui prend? Reviens immédiatement, sale petit babouin! Didi, ne t'en va pas! Je ne t'ai pas fait ton injection de Team Banana Too! Catastrophe! Il ne m'en reste plus du tout! Il y a de l'ambiance par ici! On n'a pas le temps de souffler! Il me faut plus de Team Banana Too! Je dois trouver Donkey pour qu'il vienne en aide à Didi! Noix de coco en cristal, tu dois absolument m'aider. Sers-toi de tes pouvoirs magiques pour localiser Donkey. Zip, zam, bing, boum, bam, téléporte-moi avec un hologramme. Critters, préparez-vous à mourir au combat. Crouchard, je t'ordonne de la boucler. J'étais juste... C'est bien, soldat. Militaire, mutant, sous-fifre, sous-développé, microbe, décérébré. Oh, moi, King Karul, chef suprême des forces maléfiques, je vais vous dévoiler mon plan infaillible pour vaincre les sages. Mon plan consiste à les réduire au silence, à les montrer du doigt en leur tirant méchamment la langue, à lancer une attaque inamicale et agressive, à leur faire sauter la cervelle. Vous voulez que je fasse exploser l'île? Grand génie, pur génie, je m'en charge sur le champ. Je vais commencer par le camp des singes et je reviendrai ici pour achever la besogne. Je pourrais vous aider,
mais je ne suis qu'une volaille bien canaille. Voleuse comme une pie qui serait prête à tuer père et mère pour un paquet de gâteaux. Une, deux. On va faire sauter cette bande de maboules par loyauté envers King Karoul. Restant de ma vie. Je ne pourrais plus bouger le petit doigt, même si une enclume de 10 tonnes venait à tomber du ciel comme un cheveu dans la soupe. Enclume ! Funky, est-ce que tu comprends ce qu'il baragouine ? Ce qu'il essaie de vous dire, c'est que King Karoul va faire exploser l'île entière ! C'est bien ce que tu cherches à nous dire, petit bonhomme ? C'est une longue histoire. C'est le moment de mettre les voiles, vieux ! Ouais, avant que ça devienne grave. Didi a atteint le stade 4 de la rhinocongo-bongogite. Si par malheur il atteint le stade 5, sa cervelle va sauter comme du pop-corn. Purée, c'est super grave. Il faut qu'il se fasse vacciner. Oh, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Je n'ai plus de vaccin. Donc, il va falloir que tu traverses les montagnes blanches pour atteindre la plantation de Team Bananatou, le nectar extrait de la banane et le seul remède de la jungle qui puisse sauver Didi. C'est vraiment très intéressant, mais pas aussi intéressant que ce que Donkey est sur le point de te dire. Je ne peux aller nulle part pour le moment, il faut que j'empêche King Karoul de faire exploser l'île. Quoi ? Ça aussi c'est super grave. Décidez-vous, le temps presse. Qu'est-ce qui est le plus important ? La vie de votre petit camarade ou Congo Bongo ? Tic-tac, tic-tac. Purée, c'est super grave ! Oui, et bien sur ce, je vous laisse. Mais une île sans mon petit bonhomme n'est pas une île sur laquelle je peux vivre. C'est pourquoi je dois sauver les deux. Je vais aller jusqu'à la plantation de Tibananatou afin de trouver le remède pour Didi. Et puis après, je reviendrai pour empêcher cet ignoble King Karoul de faire sauter l'île. Donkey et Funky, rapportez-moi la Tibananatou. Didi, tu retournes immédiatement à ma cabane. Je vais chercher Clum pour essayer d'inculquer un peu de bon sens à ce demeuré de première. J'ai deux mots à te dire, abruti. Est-ce que tu es conscient au moins de ce que tu fais? Je dois exécuter l'opération Congo Bongo Boom sur ordre de King Karoul. Mais non, on n'a pas pu te donner un ordre pareil, Andouille. Qu'est-ce que tu as dans le crâne? Réfléchis un peu. Si tu fais exploser l'île, eh ben tu sautes avec. Ça y est, j'ai compris, c'est un piège. Et pas la peine de chercher à m'embrouiller l'esprit. Comment veux-tu que je t'embrouille l'esprit puisque tu n'as rien dans la tête, espèce de salamandre décérébrée? Alors maintenant, tu annules tout. Seul le chef suprême du haut commandement du quartier général peut annuler une opération. Bien, bien. Je vais en toucher deux mots à King Karoul. Tu m'as l'air bien mal en point. Tu n'as encore rien vu, bientôt tes neurones sauteront à un comme du pop-corn. Ça commence. Je connais le remède. C'est le nectar du Team Bananatou. Bien lancé, boucanier. La plantation de Team Bananatou. J'espère qu'on a un bon karma. On a surtout un pilote qui assure. On a aussi de la chance. Tu as vu, il ne reste plus qu'une seule Team Bananatou. Elle est pour moi. Le problème avec le karma, c'est que quand il est bon, waouh, c'est super. Mais quand il est mauvais, pas la peine de te faire un dessin. Attends une minute, Funky. Personne ne nous oblige à le laisser filer avec le remède. Écoutez bien, Moussaillon, c'est moi le détenteur de ce butin. Je pourrais le donner indifféremment à l'un ou à l'autre d'entre vous, seulement voilà. Qui va me faire l'offre la plus alléchante? Et toi, haleine de banane, que me proposes-tu? J'ai une collection de cravates super géniales. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. La Team Bananatou revient à qui? Banana Slam, j'ai la Team Bananatou. Qu'est-ce que tu attends pour l'apporter à Didi? Pas si vite,
tête de King Karou l'éclate en mille morceaux. Il ne pourra plus donner d'ordre à Clem d'annuler l'opération Congo Bongo Boom. Il a raison, Donkey Kong. Mais qu'est-ce que je vais faire? Si je sauve pas Didi, alors je perds mon petit bonhomme. Mais si je ne sauve pas King Karool, l'île entière va se transformer en pluie de noix de coco. Noix de coco? Mais si, bien sûr. Quoi? C'est ton unique chance, King Karool. Je te donne la Team Bananatou à condition que tu me promettes de rappeler tes troupes. T'as oublié Didi? J'ai pas le temps de t'expliquer maintenant. Waouh, je croyais qu'il fallait faire une piqûre pour que ça marche. C'est seulement pour rajouter un peu de piquant à l'affaire. Croyez-moi, manger une Team Bananatou est une véritable torture. Oh non, regardez! Vite, dis-leur d'arrêter! Clamp, espèce de microbe décérébré, reviens! Pourvu que je n'arrive pas trop tard! Enfin, ma minute de gloire est arrivée! Clamp, reviens! Tu me reçois! Je suis guérie. Banana Slam. Miam, miam. Clop, arrête. Arrête. Aïe, aïe, aïe. Oh, le karma est bon.